Tragédie à Orly, un jeune Araga retrouvé gelé dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie, le prix désespéré de l'émigration illégale. Un jeune Algérien qui a tenté clandestinement le pays a été découvert en hypothermie sévère, ce jeudi dans le train d'atterrissage, à l'aéroport d'Orly à Paris, d'un avion d'Air Algérie qui a effectué un vol reliant Oran à la capitale française. Selon les autorités locales, le jeune Algérien retrouvé gelé a été transporté dans un état grave à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, selon le parquet, précisant que la gendarmerie des transports aériens était chargée de l'enquête. La découverte a eu lieu, vers entre 10h30 et 11h, lors de vérifications techniques de l'appareil, a indiqué pour ça par une source aéroportuaire, précisant que le jeune homme, qui a été transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers, n'était pas décédé. Pour rappel, en juin 2022, deux cadavres de jeunes hommes ont été découverts, dans la soute à bagages d'un avion d'Air Algérie, qui était à l'arrêt à l'aéroport international d'Alger.